Bonjour, ici John Survie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si comme moi, vous avez décidé de fuir la ville, que ce soit pour vous éloigner des taux 5G, des chemtrails, ou que vous avez pogné votre blonde à vous tromper en faisant un gangbang avec tous vos meilleurs chums, là, ben, sachez qu'il y a moyen de se nourrir gratuitement et facilement en forêt. Voici quelques trucs. Générique! Il existe un paquet de champignons au Québec. Il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas tous comestibles. Puis des fois, la différence entre un champignon délicieux et un mortel est bien mince. Mince de même. Même plus mince que ce que je monte dans mes doigts. Ça te donne-tu une idée comment c'est mince? C'est pour ça moi, que je conseille à tout le monde qui sont en forêt de toujours avoir un guide de champignons sur soi. Pete, passe-moi le guide. Tu l'as utilisé pour partir le feu hier, John. De mémoire, lui, il est délicieux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le goûter pour moi. Je pense pas que c'est une bonne idée, non? Voyons. Puis, le pire qui arrive, c'est que tu vas halluciner un peu et tu vas chier en spray. Ça me tente pas. Goûte à ça. Non. Hey! Goûte à ça! Avec les baies sauvages, ça, tu te trompes jamais. Faut prendre ceux qui poussent en hauteur comme ça. Ceux qui poussent au sol, ils sont pas bonnes. J'ai mangé hier rond, foncé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Puis, regardez dans mon guide, c'est de la merde de lièvre. Cueille ça comme ça, enlève la branche, tu y vas. Gorge! T'es un peu acide, mais j'ai toujours des condiments sur moi pour rehausser. Hein? Délicieux. As-tu une shot, Pete? Non? Ah, regarde-le! Y'a l'air d'un de f***ing! À cette heure qu'on a mangé l'entrée, c'est maintenant le temps du repas principal qu'on va chasser nous-mêmes. Je me suis fabriqué des ninchaku avec deux cannes de Pringles que j'ai remplies de roches. On aurait pu manger des chips en kayak. Autosuffisance. Comme ça. Ça, c'est très bon pour les combats corps à corps quand tu veux tuer un ennemi. Un lièvre, une couleuvre, un porc-épic ou un dragon de Komodo. Tu sais, il n'y en a pas au Québec, par exemple. Ta gueule, Pete. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Pour les ennemis plus rapides, j'utilise la sarbacane. Je l'ai fabriquée moi-même. Avec une flotte à bec, ben d'or. Faut que tu fasses attention quand tu vis. J'en connais un qui a déjà perdu un œil avec ça. Hein? Hein? Ouais. T'as crevé l'autre aussi? Mon esti! Si ça bouge là-bas. J'espère que c'est un poulet. Touché! Yeah! Comme j'avais dit, du poulet! C'est moi qui l'ai commandé parce que ça fait deux semaines qu'on n'a rien mangé. T'es encore buzzé, toi? Ouais. Pouvez-vous coller une ambulance? La semaine prochaine, je vous montre comment construire un abri en forêt. En ligne sur nouveau.ca.